Salut les BG. Aujourd'hui c'est moi le BG. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo room tour, je l'ai dit dans la dernière vidéo, on va aller voir un petit peu la gaming room. J'ai mon zin qui a décidé de venir me filmer, ça fait plaisir. C'est vrai, dans la vidéo que j'ai fait, il m'a filmé, là il me filme encore, il m'a dit Fitness Fusion, on le met partout frère. Bon, venez, je vais vous montrer un petit peu. C'est bien la pub, mais faut penser à me payer aussi. C'est toi, tu vas me payer en plus de frère de, tu vas voir. Petite gaming room, est-ce que vous appréciez cette magnifique gaming room? Moi j'aime bien, ça passe bien. On est bien, hein. Petit tapis, franchement, ça. Bon, mon petit gaming room, je me suis installé, ça va faire un mois. Ça fait un mois à peu près. Et j'ai pas terminé d'agencer encore, mais ça commence à ressembler plus ou moins à quelque chose. Et on va commencer par la déco générale, simplement. Donc j'ai mis mousse acoustique ici. Mousse ici, j'ai pas terminé, faut que je remplisse encore un petit peu en mousse acoustique. Vous avez les deux bureaux là, avec les deux PC. Un PC de jeu ici, un PC de stream là-bas dans le coin. Et en termes de déco, bah là on a une clim pour l'été. Là c'est la déco arrière. Chaque pièce de déco représente une partie de moi. Ça, c'est quand je suis allé aux États-Unis que j'ai tiré à l'arme pour représenter CS et les FPS, j'aime les armes. Le baril, c'est pour les voitures. Je vais mettre un Audi logo, logo Audi. Parce que je suis fan d'Audi, c'est ma marque préférée. La M4 qui va venir s'accrocher ici au-dessus, j'ai pas encore acheté les crochets parce que j'ai pas d'argent. Faites des dons, abonnez-vous, faites des dons sur Twitch, merci. Je l'ai dit qu'il faut, donner de l'argent. Zaraki Kenpachi plus son sabre, personnage de manga tout confondu. Parce que j'aime ça, j'aime, j'ai une grosse bite. Ensuite, bah là c'est, je savais pas comment la remplir, j'ai mis tout ce qui passait. Tout frère, des bâtons de dynamite, un portrait de mes couilles, il y a tout ce que tu veux. Voilà, je mets des marques avec qui je travaille en général, X-Trify, ça je travaille avec eux, ils me payent 8000 euros par mois. Ça je travaille avec eux aussi, voilà. C'est une couille artificielle. Il me paye aussi. Le bâton dynamite, ça c'est un préampli que j'utilise pas, 100 euros. Juste comme ça pour le. J'aime bien. Petit côté musculaire de rien, mais personne ne le sait. Ça c'était des gélules de caféine. Voilà. Et j'ai gardé le packaging parce que c'est une grenade et c'est incroyable. Water cooling que j'ai changé il y a pas longtemps, néon. J'aime bien me l'enfiler. Là il y a la PS5 et un petit bonsaï artificiel parce qu'on est des fainéants et que ça attire les araignées, les vrais. Simplement, donc j'ai mis un faux. Et ça c'est à Johan, il y a DJ de Fitness Fusion. C'est la vie de ma mère, c'est la tête de ma mère, c'est pas à moi. Je jure pas pour rien. Bon, là c'est le bordel où je range le bordel, vous n'êtes pas censé voir ici. Et on va passer d'abord au PC de stream. Comme ça au moins on garde le watch time. Oh, si. Ici, on a le PC stream où j'accueille les invités. De base, c'est un double setup PC pour le stream, mais c'est aussi pour le taf. Comme j'ai une chaîne en commun avec mon cousin pour qu'il puisse venir travailler sur les PC, c'est important. Un PC, deux PC, on a chacun notre PC, on peut faire les coachings. On est plus efficace, c'est mieux. Donc deux écrans, un écran 144Hz, un écran 144Hz, celui-là en 2K, celui-là non. Clavier de Keywan, souris Logitech G Pro. Je l'ai mis pour lui parce qu'il aime bien le sans fil, moi j'aime pas. Tapis de souris, HyperX. Bureau, c'est vrai, le bureau. Petit placement de produit rapide, vous avez le lien en description, n'hésitez pas à aller jeter un œil, il coûte que 200 euros. Il est incroyable, ils m'ont envoyé gratuitement. Ils m'ont dit, tu le places et en échange, on t'envoie gratuitement. Je vais aller en dessous du bureau. Allez, c'est parti pour bien faire la publicité. Le bureau est excellent. Vous voyez, il a beaucoup de place. Et si jamais vous êtes comme moi, vous jouez beaucoup et tu mets un reste, tu mets un oreiller, une couette, et t'as largement la place. On a un reste ici comme ça. Franchement, c'est bien. Avec un petit filet ici pour ranger votre téléphone ou votre tablette. Et tu sors et puis tu fais comme ça. Voilà, il y a la place qu'il faut. Ensuite, casque Messi. Toujours. PodMic, c'est mon ancien micro que j'ai mis avec la carte son Scarlett 2i2 qui est aussi mon ancienne carte son. Je l'ai mis ici pour que quand je joue à Valorant, mon cousin puisse insulter des Russes. Voilà. Il m'a dit, je parle arabe, il parle russe, on va se comprendre. PC de stream. Lui dedans, il y a RTX 2070, i7-9700K, 32Go de RAM. Et ça, c'est un pur rock et on s'en fout du reste. Hein. Tu rigoles comme un connard. Petite chaise ergonomique. Pour travailler, n'achetez pas de chaise gamer, achetez des chaises ergonomiques s'il vous plaît, arrêtez d'être con. Vous payez le design de la chaise et à la fin, elle n'est pas confortable du tout, on voit tout mon dos. J'espère qu'on voit pas mon cul, parce qu'il y en a, ils vont se branler sur ma vidéo, là, je les connais les gens là. Donc là, on passe au PC de jeu, c'est vraiment, ici je joue, je me régale, je me suis fait vraiment plaisir pour jouer à CS. On va avoir, bah, déjà autour, une keylight pour m'éclairer, évidemment. On a un 2KeyOne que j'ai reçu hier, c'est 2KeyOne version rétro, j'ai reçu aussi la souris et le truc pour les fils de souris, mais ça m'intéresse pas, je voulais que le clavier. Il est vraiment, vraiment, vraiment joli. Je le voulais parce que je le trouve vraiment joli. Voilà, il est super beau, magnifique. En souris, j'utilise une souris ZA13B que j'utilise depuis 5 mois, j'arrive pas à changer, c'est la meilleure souris que j'ai jamais testé. J'ai changé pour la Vaxi il y a pas longtemps, vous avez vu en vidéo. Je suis retourné dessus parce qu'elle est trop bien. Porte souris BenQ, bras de micro, je sais plus c'est quoi la marque, mais c'est comme un Blue Compass. C'est presque le même prix, un petit peu moins cher, donc je l'ai pris et c'est comme un Blue Compass. Mais il est excellent, il fait parfaitement le taf. Shure SM7B que j'ai acquéri il y a très peu de temps. Ça fait. Oui. Ensuite, Stream Deck.
pour Switch et pour si je peux mettre par exemple X vidéo, j'appuie, ça lance direct. Et ça, c'est lourd. On perd pas de temps ici. Go XLR Mini pour mixer le son et tout. Enfin, on s'en bat les couilles. Clé Wi-Fi, on s'en bat les couilles. Casque MMX300V2, ça par contre, c'est important. C'est un des meilleurs casques du marché. Il n'y a pas beaucoup de choses mieux que celui-là, en fait, simplement. Ensuite, deux écrans. Un écran 280 Hz ici Asus pour jouer à CSGO, vous vous en doutez, avec Zaraki. Un écran 240 Hz en écran secondaire pour lire le chat à vitesse réelle. Vraiment, il défile vite en 240 Hz. C'est bien. J'aime bien. Et ben, en dernier, c'est le PC. Voilà, là c'est mon chéri. Lui, c'est mon chéri. Ça, c'est mon petit bébé. Voilà, il y a du travail. J'ai tout monté moi-même, tout fait moi-même. Donc, c'est pour ça que je l'aime bien. Parce que tout a été fait moi-même. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Il ressemble à ça. Bon, là, j'ai un ventilateur du water cooling qui est en panne. Le RGB est en panne, mais il tourne. Mais j'ai un autre ventilateur de water cooling qui arrive et les deux font de la lumière. Donc, petit water cooling, Cooler Master, Illusion, je sais plus trop le nom. 32 Go de RAM HyperX en RGB, je vais en rajouter encore pour 64. Petite carte graphique RTX 3070. Et ici, vous avez des sleeves, câble blanc pour rendre le truc un petit peu plus joli. Avec un joli câble management, vous voyez qu'il n'y a aucun câble qui traîne. Et je dois avoir, je crois que j'ai une alimentation. C'est une 1000 watts, je crois, histoire d'être large. Parce que je compte upgrade par la suite. Je compte mettre 4 cartes graphiques à l'intérieur pour regarder mes vidéos pornographiques en 4K parce qu'il y a un moment il faut arrêter les conneries. Moi il y a un moment je veux que c'est j'aime bien. Ça va? Donc voilà, tout ça c'est mon petit setup dont je suis très fier, ça m'a mis du temps à l'acquérir. Ça s'est fait sur des années, hein. C'est pas du jour au lendemain qu'on a un beau setup. Tous ceux qui ont un petit setup, investissez tous les mois au fur et à mesure, ça ira tout seul. En tout dernier, ma petite chaise Inté, 200€ sur Amazon, chaise ergonomique. J'ai retrouvé aucune chaise avec ce confort dans le gaming. Aucune, ça n'existe pas. Ça n'a rien à voir. Même Rocknar à qui j'ai fait essayer m'a dit éclater les chaises gamer à côté de ça. Par ailleurs, je vends toujours quelques petits périphériques que j'ai mis encore sur mon Instagram il y a pas longtemps. Clavier, souris, des claviers. En fait, je travaille avec les marques, c'est des trucs que j'ai en doublon. Par exemple, les Baxi, j'ai en doublon. N'hésitez pas à passer sur mon Instagram, KimousYT. Il y a plein de promos. Je vends des souris à 20 balles. C'est des souris, vous les trouvez à 80€. Donc venez, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas follow, faut pas me demander. Je donne pas. Voilà. Abonne-toi, je rends. Je pense que on a fait plus ou moins le tour. Ça, c'est ma petite M4. C'est pas une M4 Nifos, hein. On n'est pas dans du fake ici. Faut pas que je tire dans un écran, je vais faire un trou. S'il y a des billes, c'est une vraie claque. Airsoft. Ça va? Il n'y a plus de billes, c'est bon. Si je fais ça. T'es un malade. Voilà, j'ai même pas tiré, t'as eu mal, wesh. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va faire la petite miniature. Pour ça, tu vas venir te placer ici. On l'a fait en vidéo. Tu viens te mettre ici. Moi, je me mets là. Et regarde, regarde la bête de miniature. Regarde la bleue bête de posing. Ah là ça kick, là ça kick et ça like. Et ça se met tout nu ou pas? Arrête de zoomer. Là je suis frais ou pas? Vas-y. Fixe sur moi genre 2 secondes histoire que je puisse en faire un petit screen. Bon, en entier, faut qu'on voit tout le setup. Ah bah c'est bon, c'est fait. C'est bon? Je pense que j'ai fait le tour, ça c'est ma gaming room. Si jamais vous avez des idées pour la déco, je compte rajouter des trucs. Hein. Là j'accroche l'arme. Derrière mon cousin il y a la PS5 et bah, il y a le mur vide et je vais rajouter aussi quelque chose, peut-être un mur végétal ou des sabres. Je mettrais bien d'autres sabres de Bleach parce que je suis fan de Bleach. Si jamais la vidéo vous a plu, vous likez, vous vous abonnez. Et si vous avez des idées, les commentaires sont faits pour ça. C'était Fimous et moi je vous souhaite une bonne journée les potes. Bisous.